Après la libération des villes de Kona et de Gao, flashback sur la libération des villes de Dwanza, Ambori, Bani et Gossi, des villes en liesse et des populations enthousiastes, mais qui se souviennent encore des exactions du MNLA. Envoyés spéciaux, Moussa Harimeiga et Aliou Touré. De Dwanza à Gossi, en passant par Boré, Ambori, voilà les populations sorties en masse pour saluer la libération de leur territoire natal des mains des terroristes du MNLA par l'armée malienne. Vraiment, nous sommes satisfaits et puis la liberté n'a pas de prix. On avait mal dans notre peau, dans notre chair, notre dignité était bafouée. Mais aujourd'hui, grâce à l'armée malienne, grâce à la France, nous disons merci à Dieu et merci à tous ceux qui ont contribué par rapport à notre libération aujourd'hui. La présence, le retour du préfet à Dwanza signifie vraiment que notre armée a accompli son devoir. Et je crois que l'armée a montré par le travail, par sa combativité, qu'ils ont honoré leur serment de verser leur dernière goutte de sang pour libérer le pays. Et je pense que c'est ce que l'armée malienne a fait. Dwanza, les populations de Dwanza, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit toute la population de Dwanza, tout le monde est content. On ne peut même pas estimer les degrés d'honneur que nous avons su ici à Dwanza. Quand l'armée malienne est arrivée ici, nous on avait rêvé, on pensait que ce n'était pas l'armée. Mais après avoir regardé les véhicules 1, 2, 3, on a vu une colonne de véhicules avec des Français. Là, on était vraiment dépassés. On est très content. On est avec le Mali. Vive le Mali. Vive la France. Voilà. On est à Gossi, je suis Oyaï Tagbila, l'animateur de la radio FM, de la voix du gourmand, de Gossi. Ils sont vraiment satisfaits que nous étions dans une corde et maintenant on est complètement défait de la corde. C'est que nous étions dans l'enfer, dans battement des mains, des coups de cravache. Qui vous faisait ça? C'est des mouchahous, des djihadistes, de tout, on ne sait même plus tout le monde fait son devoir, vraiment. La population était morte, nous étions à Lahara, et on dit qu'il y a dans Sardine, et on dit qu'il y a l'Emneda, on dit qu'il y a je ne sais pas quoi là, Majo, on dit qu'il y a, c'est pas de... Mais en tout cas, il fait des exercices sur les populations. On trouve ta femme, tu es obligé de te soumettre. Ils passent en rang, un à un. Ils ont fait ça ici? Ils ont fait ça partout. Ouais. Il y a même des enfants enlevés ici. Des enfants qu'on est venus enlever pour dire qu'ils sont des esclaves. Ils ont été emportés en bourse. Là où on est, il n'y a même pas un grain ici à Gossi. Ils ont tout dévasté, ils ont tout raclé. Les gens vivent à cause de Dieu.